Merci Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Les deux équipes présentes sur le terrain sont prêtes à nous offrir du très grand spectacle et l'atmosphère est vraiment à la hauteur de l'événement. Et coup d'envoi de ce match. Nathalie. C'est bien fait ça. Oscar. Drogba. On le contre, l'arme fatale. Il joue dans l'espace. Oh, il marque. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. L'US Créteil Lusitanos, il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. Cesc Fabregas. Va-t-il en profiter? Impeccable ce dégagement. Cesc Fabregas. Il reçoit le ballon pour trouver la faille dans la défense. Il reçoit le ballon. C'est bien fait. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oh, il l'a récupéré. Hazard. À toute vitesse vers la surface. Ça, c'est directement pour le gardien. Philippe. Cesc Fabregas. Philippe. Longue ouverture. Nkoulou. Une très longue passe. William. Ça joue long. Faute, c'est indiscutable. Hazard. Il est passé, c'est pas fini. La tentative de centre. La frappe. Encore un geste décisif du gardien. Belle parade du gardien, c'est pas fini. Et le gardien est furieux, je crois que les défenseurs ont compris le message. Mais il a raison de râler. Mais ils étaient où les défenseurs sur cette action? Dans le dos de la défense. Elle continue sa course. Il va se faire rappeler à l'ordre là. Et un nouveau coup de pied arrêté, encore un. Courtois, il gère sereinement, tranquillement. Cesc Fabregas. Hazard. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. C'est bien fait ça. Il file dans l'axe. La passe dans la profondeur. Il n'a pas hésité, c'est propre. Quel timing dans l'interception. Di Natale cherche la verticalité.
Di Natale. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, la grosse occasion. Ça joue. Il a pris tout le monde de vitesse. Et c'est un but. Je le sentais venir à celui-là, je vous le jure. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Nkoulou. Philippe. Oscar. Drogba. C'est une interception parfaite. L'arbitre sifflera la mi-temps dans 5 petites minutes. Allez, accélérer encore une dernière fois. Drogba. Il glisse le ballon en profondeur. Hazard. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Le ballon sort en touche. Pas bien tiré ce corner, occasion manquée. Mi-temps de cette demi-finale. Ce match nul n'est pas une bonne affaire. Il va falloir accélérer en seconde période s'ils veulent avoir encore une chance de se qualifier. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score un partout. Oscar. Cesc Fabregas. Nkoulou. Il allonge. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est repoussé. Drogba. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. L'accélération. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Il concède un coup franc. Le gardien loin devant. Willian. Oh, l'accélération. Bien joué ça. Il est en bonne position pour centrer. Il tente la frappe. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Bonne interception, il y avait danger. Cesc Fabregas. Philippe. Hazard. Va-t-il en profiter? Di Natale.
Nkoulou. Oh, la passe en profondeur. Pirlo. Pour trouver la faille dans la défense. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Il file vers le but. Il peut conclure. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Il peut y aller. Oscar. Il joue dans l'espace. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Une très grande ouverture. Et le drapeau s'est levé. Les 15 dernières minutes de la rencontre. Ils ont encore le temps de se créer une ou deux occasions. Oh, il est parti là. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre Fury. Défense qui s'offre un répit. Attention, occasion. Oh, dommage, ça aurait pu définitivement rassurer leurs supporters. Cesc Fabregas. Nkoulou. C'est joué, loin devant. Est intercepté, ça aurait pu faire mal. Oscar, il prend sa chance. Et il reste 5 petites minutes maintenant. Il glisse le ballon en profondeur. C'est passé. Il peut en profiter. William, le bon service. L'US Créteil Lusitanos doit se montrer plus tranchant dans ces dernières minutes. Une très longue passe. Il est à distance de tir. Une occasion. Ça joue long. Drogba. Tout seul. Ce contre peut très bien aller au bout. Il progresse encore. Quelle inspiration! L'arbitre siffle. Le match est terminé. Match nul, ils ont tenu bon aujourd'hui. La qualification, elle s'est jouée au match aller. Mais quel match! De la qualité technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est vraiment le genre de rencontre qu'on adore.
US Créteil Lusitanos contre Lille. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulle au commentaire. Bonjour Darren. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. À la régulière, il est battu, joli tacle. Mavouba. Korchia. Mavouba. Ça, c'est une interception parfaite. Il tente de la jouer dans l'espace. La parade, superbe. Le premier frisson dans cette partie. Quand on se retrouve tout seul face au gardien, on doit faire mieux que ça. C'est très mal joué de sa part. La tête, attention. Quelle location, attention! Non, non, ça ne passera pas! C'est une entame très prometteuse. Ils ont clairement affiché leurs ambitions avec ces quelques tirs. Pour trouver la faille dans la défense. Kerr. Korchia. Bacha. Lille tient bien le ballon, mais n'arrive pas à créer le danger. Martin. Longue ouverture. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. La passe dans la profondeur. Roux. Il joue dans l'espace. Il peut y aller. Il file dans l'axe. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Oh non, il avait mis la défense dans le vent, mais il manque l'occasion. Gros but pour Lille. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Et c'est un but! Quelle force de caractère. Et à mon avis, ils vont pas en rester là. Le jeu reprend sur un score de parité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Korchia. Bacha. Kerr. Mavouba. C'est repoussé. Martin. Korchia. Martin. La passe est précise. Dans le dos de la défense. C'est une frappe. Au nouvel essai. Il y va tout seul. Origi. Mavouba, c'est joué loin devant. Le voilà servi. Il tire. C'est repoussé. Il garde ce ballon. C'est bien ce qu'il fait là. Il va se présenter devant le but. Voilà la situation complètement inversée. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Les voici avec un but d'avance.
Ils ont réussi à renverser la situation, mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout? Oh, pourtant la passe était parfaite. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'ils se réveillent. Continue à avancer. On se rapproche des dernières minutes de cette première période. Il peut encore se passer des choses sur la pelouse. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait, ça. C'est au fond des filets. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Tout est magnifique dans ce but. Bien, c'est reparti. Et il y a maintenant 2 buts d'écart. Alors là, s'ils se font rattraper au score, l'entraîneur va leur souffler dans les branches. Il va se faire rappeler à l'ordre là. Le centre dans la surface. Trop long, le ballon est sorti. Fin de la première mi-temps. Ils sont menés 3 buts 1 à la pause. Il faudra vite réagir en seconde période. Vite. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Va-t-il en profiter? Il est servi pour trouver la faille dans la défense. Oh, c'était une jolie frappe. Oh, la grosse occasion! Ah, il a failli en profiter. Clairement, ils sont revenus des vestiaires avec l'envie d'attaquer. Ça promet du spectacle pour cette deuxième période. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Inigo Martinez. Il glisse le ballon en profondeur. Directement pour le gardien. Di Natale. Joue dans l'espace. Roux. Ça peut partir en contre. Pour trouver la faille dans la défense. Il a failli voir un but magnifique. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Une très longue passe. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Autour de la défense. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Ça joue long. Il peut y aller. Sur l'aile. Et ils vont effectuer cette touche.
c'est bien de garder la possession du ballon. Mais il va falloir quand même essayer de marquer des buts. Bacha. Pierre. Mavouba, qui joue dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Origi. Oh, le contre, l'arme fatale. Mavouba. C'est passé. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Tout seul. Corchia. Va-t-il en profiter? La faute est sifflée. Il garde la balle. Possible maintenant. Quelle intelligence dans la finition. Et le doublé. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. Ils sont back in business. Ils doivent maintenant garder la tête froide. Oh, c'est juste, juste. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Et un nouveau coup de pied arrêté, encore un. Où ils seront décrochés s'ils encaissent un but. Oh, l'intervention magnifique! Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Des deux points! Quel timing dans l'interception. Il allonge. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. L'US Créteil Lusitanos qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Mavouba. Attention, le temps presse maintenant. Mavouba. La passe est précise. Pour trouver la faille dans la défense. Il frappe au but. Oh, c'est dedans. Ils ont pris des risques. Ils sont récompensés. Que c'est beau. Vous en pensez quoi de ce but, Darren? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. Une très longue passe. Il concède un coup franc. Superbe. Oh, l'énorme occasion de la tête.
l'arbitre siffle la fin du match. Au match nul, d'accord, mais on a vraiment envie de dire merci à ces deux équipes. C'était un véritable festival de jeu offensif aujourd'hui. Le Football Club de Metz contre l'US Créteil Lusitanos. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Et on rentre dans le vif du sujet. C'était une faute légère, sans gravité. Même pour lui, c'est un peu loin. Ça m'étonnerait qu'il attente direct. Il joue dans l'espace. Quand le garde doit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il relance côté droit. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Il reçoit le ballon. Il file dans l'axe. Oh, la grosse occasion! Il marque! Et il est presque chambreur dans sa finition. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Il change complètement de côté. Pirlo. Malouda. Un long ballon dans l'espace. Le gardien est là, pas de problème. Il allonge. Va-t-il en profiter? C'est passé. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Il est servi. L'arbitre signale une faute. De là où il est placé, il peut frapper directement. Et on va peut-être avoir droit à sa spéciale. Il peut y aller. Il peut y aller. Une occasion. C'est bien fait. La passe est précise. Quel but! Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Le voilà servi. Faut frapper là! Cadre.
frapper. C'est parfait, magnifique. Fauché dans la surface, ça va leur coûter cher. Ils contestent le pénalty, mais ils s'en sortent bien. L'arbitre aurait pu être plus sévère. Les yeux rivés sur son ballon, il peut permettre à son équipe de prendre l'avantage maintenant. C'est au fond, et voilà la situation complètement inversée. C'était important, et il n'a pas tremblé. Beaucoup d'application, beaucoup de confiance dans ce geste. Il est parfaitement tiré. Les voici avec un but d'avance. Ils ont réussi à renverser la situation, mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout? Raphaël. Intercepté, ça aurait pu faire mal. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pour trouver la faille dans la défense. Il peut en profiter. C'est une frappe. Oh, c'est dommage, quelle occasion. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça. C'était une occasion en or. Toute vitesse vers la surface. Et c'est un but. Il compte maintenant 2 buts d'avance. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire, tant qu'à faire, autant se rapprocher. C'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. Les voilà avec 2 buts d'avance. Ils ont creusé l'écart. Et s'ils allaient en chercher un autre? Continue à avancer. Il glisse le ballon en profondeur. Il prend sa chance. Et ils alourdissent la marque. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Il compte désormais 3 buts d'avance. Il y aura donc touche. Dans le dos de la défense, le drapeau ne s'est pas levé. Pirlo. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Attention à cette passe lobée. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Pirlo. Allez, Joe. C'est passé. L'accélération. Nouveau but dans ce match. Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue. Il continue. Allez, votre analyse, Darren. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. C'est bien fait, ça. Il file vers le but. Et voilà, but. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprenaient à la perfection. Et désormais, ils ont l'air intouchables.
Ballon intercepté. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Oh, c'est un score incroyable et c'est peut-être pas fini. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Longue ouverture. Pirlo. Une très longue passe. C'est joué loin devant. Va-t-il en profiter? Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Allez, Jo. Malouda. Allez, Jo. Il peut conclure. Oh, quel geste. Attention. Pirlo, un corner, c'est une cartouche pour lui. Et le danger est écarté. Ça passera sur le côté. Malouda. Oh, la passe en profondeur. Il est servi. Ça joue. Il va se présenter devant le but. L'arbitre a tout vu, il était hors jeu. Une très grande ouverture. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Il a pris tout le monde de vitesse. Le bon service. Quel timing dans l'interception. Il joue dans la profondeur. Raphaël. Ça joue long. C'est intercepté. Enfin un peu d'air pour la défense. Et ce ballon sur l'aile. Ça, c'est une interception parfaite. Allez, Jo. Longue ouverture. Pirlo. Malouda. C'est trop fort. Sorti, touche. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, la main ferme. Le gardien la relâche, il peut frapper. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. La passe dans la profondeur. Il joue dans l'espace. Il file vers le but. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il reçoit le ballon. Oh, la grosse occasion. Impeccable ce dégagement. Une très grande ouverture.
accélération. Attention, occasion. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Il va se faire rappeler à l'ordre là. Frappe directe. Quelle frappe! Il voit sa passe interceptée. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. Il peut en profiter. Il va se présenter devant le but. Et il reste 5 petites minutes maintenant. Pour trouver la faille dans la défense. Il est à distance de tir. Une occasion. Encore un but. Oh là, c'est une correction, une démonstration, une fessée, bref, ça fait mal. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Vous savez, il paraît qu'on voit deux choses de l'espace. La grande muraille de Chine et le trou dans la défense, c'est dire. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Et c'est mérité, il a été insaisissable, insaisissable. Et l'arbitre siffle la fin du match. Oh, quel scénario génial à vivre et à commenter. Ils étaient menés, ils se sont arrachés tout au long de la rencontre pour complètement renverser la vapeur. C'était magnifique. On est tous impatients de voir cette finale débuter et de découvrir qui sera sacré champion aujourd'hui. L'US Créteil Lusitanos contre Montpellier. Et c'est parti. Pour trouver la faille dans la défense. Oh oui! Di Natale la frappe. Oh, c'est beau, c'est beau! C'est trop beau! Et si c'était tout simplement le but qui les menait à la gloire? Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Bon, le tir est pas mal, mais ils lui ont quand même un peu mâché le travail là. Mais comment on fait pour oublier un attaquant adverse dans sa propre surface? Et il marque les premiers. Oh, qu'il est important ce but! C'est toujours mieux d'ouvrir les scores, évidemment, mais dans une finale, c'est encore plus important.
continue à avancer. Elle continue sa course. Dani. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Il joue dans l'espace. Il a pris tout le monde de vitesse. Il peut en profiter. Il frappe au but. Oh, le manque de réussite. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Il est solide dans ses duels. Di Natale. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est dégagé. Oh, le manque de précision dans le dernier geste. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça ne réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Bon jaillissement, il fallait intervenir. El Kaoutari. Ce contre peut très bien aller au bout. Un peu d'oxygène pour sa défense. Le ballon sort en touche. Bien fait. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Va-t-il en profiter? L'arbitre signale une faute. Il tente sa chance. Il voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Ça aurait pu faire, mais je ne sais pas passer loin. Pirlo. Il y va tout seul. En retrait vers son gardien. Jouer, ils vont pouvoir repartir. Il reçoit le ballon. Di Natale. Dans le dos de la défense. Ça joue. Il glisse le ballon en profondeur. Attention. Et il marque. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et le doublé. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Passe en profondeur. Pour s'élever dans le jeu. Pirlo. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait ça. Oh, la grosse occasion. Une très longue passe. Di Natale. Il garde ce ballon. Quel timing dans l'interception. Saï. Longue ouverture. Ça, c'est une interception parfaite. Alors, encore le dernier mot.
pour la défense. Oui, mais le contrôle n'est pas bon, trop approximatif. Il perd le ballon. Pas de hors-jeu, il y va. Une occasion. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Il est servi. Oh là, c'est chaud, quel tacle. Arios. Il joue dans l'espace. C'est passé. Di Natale. C'est la mi-temps dans cette finale. Que s'est passé vite jusqu'ici? C'est la pause, le temps peut-être d'un premier bilan. Votre analyse? C'est sûr qu'il vaut mieux mener au score qu'être mené, mais il faut qu'il revienne sur le terrain avec cette même mentalité et l'envie de tuer le match. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. L'arbitre signale une faute. Le long dégagement du gardien. L'arbitre siffle une faute. Évidemment d'aller chercher un triplé aujourd'hui. Mais oui, et pourquoi s'arrêter à 2 s'il peut en marquer 3? La passe est précise. Pirlo qui écarte le jeu. Arios. Voilà une bonne occasion du contre. Il relance côté droit. On a passé l'heure de jeu. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. Il tente la tête. Oh, c'est contré, qu'il était bien placé. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Il tente de la jouer dans l'espace. Il n'est pas hors jeu. La passe interceptée. Intercepté, ça aurait pu faire mal. Oh, il continue son festival. Et la défense qui s'offre un répit. Ce match. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Vous en pensez quoi de ce but d'Aren? Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But.
Saï. Dani. El Kaoutari. Tout seul. Il récupère le ballon. Barrios. Le voilà servi. C'est joué loin devant. Il glisse le ballon en profondeur. Un centre dans l'axe pour personne. Barrios. Le bon service. Il est à distance de tir. Il peut conclure. Et c'est au fond. Oh, le match est peut-être relancé avec ce but. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? Continue à avancer. Dans le dos de la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Il a tenté, bien joué. Saï. La passe est précise. Il glisse le ballon en profondeur. Il peut en profiter. Oh, c'était un copier-coller de celle qu'ils ont manqué plus tôt. Il reste 5 petites minutes maintenant. Il est signalé en position de hors-jeu. Le gardien loin devant. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Voilà, ils y sont et on comprend leur joie. Bien sûr, c'est un rêve, un jour, pour tout footballeur de brandir cette coupe. De la technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football.
L'US Créteil Lusitanos contre alors en avant Guingamp. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulet et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut à vous Grégoire, salut à tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est une rencontre qui, à mon avis, va être très très intéressante. Longue ouverture. Sans carré maintenant. Alioui. Sans carré maintenant. Il joue dans la profondeur. Il y va tout seul. Une très longue passe. Ça doit faire but. Ouais, il frappe encore. Oh, c'est dedans. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des airs, monte à la défense. Il est parfait. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Il est bien placé. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Après cette ouverture du score dans les premières minutes. Edu Dracen. Alors l'avant Guingamp tient bien le ballon mais n'arrive pas à créer le danger. Baka. 15 minutes se sont écoulées. Un long ballon dans l'espace. Pirlo. Le bon service. C'est joué loin devant. C'est bien fait ça. L'accélération. Ça joue long. Baka. Edu Dracen. Il allonge. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Pirlo. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Maintenant, il cherche un coéquipier dans la profondeur. Penalio, il gère sereinement, tranquillement. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Oh oui, à la limite de la surface. Attention. Et la touche maintenant. Il passe en retrait au gardien. Il joue dans l'espace. Pied. La passe dans la profondeur. Pirlo.
Il est servi. Oh, quel geste. Et il marque. Il compte maintenant 2 buts d'avance. Non mais quel sang-froid, il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Di Natale. Continue à avancer. Il peut en profiter. Encore un but. 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. 3 buts d'écart entre les deux équipes. C'est à se demander quel va être le score final. Le drapeau ne s'est pas levé. Il file dans l'axe. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Une très grande ouverture. Baka. Une très grande ouverture. Pirlo. C'est passé. À toute vitesse vers la surface. Il récupère le ballon. Sankaré maintenant. Alioui. Il allonge. Attention à cette passe lobée. Tire vite. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. C'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. C'est parfait, magnifique. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Il file vers le but. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Mais il va être sanctionné. Pirlo. Ce match, ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Oh, le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien là. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Et c'est mérité, il a été insaisissable. Insaisissable. C'est bon, il maîtrise compte. Et voilà, but. Enchaînement imparable pour le gardien. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Oh, la passe en profondeur.
Pirlo. Ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Quel timing dans l'interception. Raphaël. Maintenant, il concède un coup franc. Quand le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Oh, il est parti, là. Il y a Tabaré, maintenant. Alioui. Ça joue long. Allez, Jo. Il joue dans la profondeur. Di Natale. Bien joué, ça. Il a pris tout le monde de vitesse. Et ils alourdissent la marque. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire, tant qu'à faire, autant se rapprocher. C'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. Petite minute maintenant. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. De là où il est placé, il peut frapper directement. C'est une nouvelle occasion de but. C'est direct. Oh, la main ferme. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Superbe. Bon dégagement, bien joué. Centre. Non, pas de but sur cette tête. Il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. Il garde la balle. Il glisse le ballon en profondeur. Il peut y aller. C'est joué, loin devant. Quelle course sur l'aile droite, mais il faut l'aider maintenant. Le ballon sort en touche. Cherche un coéquipier dans la profondeur. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Que dire à l'issue d'une telle victoire? Simplement que les meilleurs ont gagné, que cette victoire est largement méritée. De la technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football.